Dans les camps de l'Ahmada, à l'extrême sud-ouest algérien, des hommes originaires de la faction Ouled Moussar Gibat ont attaqué vendredi le poste de contrôle du Polisario installé à la sortie du camp d'Ismara vers Rabouni. Tous les gardes qui s'y trouvaient ont été ligotés, violentés par le groupe d'assaillants en colère qui a également mis le feu à leur véhicule de service. Cette attaque intervient en représailles contre les actes de torture dont étaient victimes des jeunes Sahraouis dans les locaux de la police du Polisario, et c'est sous la forte pression de leur clan tribal que le Polisario a été contraint de libérer les quatre jeunes Sahraouis que sont les frères Najm et Cheikh Ould Aynina, Mohamed Ould Fakir et Mohamed Ould Deida. Ces derniers ont immédiatement accusé des policiers de l'Bouyahet de les avoir torturés.